Je m'appelle Thierry Hoquet, je suis professeur de philosophie des sciences à l'Université Paris-Nanterre et j'ai travaillé beaucoup donc sur les sciences de la vie, euh, sur l'histoire des sciences naturelles, de Buffon, Linné à Darwin et jusqu'à la question contemporaine du sexe. À la fin du XVIIIe siècle, euh, le naturaliste italien Lazzaro Spallanzani réalise des expériences étonnantes. À partir de la reproduction des grenouilles, il prend du sperme de grenouilles et il le dépose directement sur les œufs pour voir si il va se produire un développement. Et il a la surprise de découvrir que, effectivement, on peut se passer relativement des mâles, c'est-à-dire sans que la femelle soit montée par le mâle. Eh bien, il suffit de déposer un peu de, 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 de cette semence sur les œufs pour que le, dé le développement soit enclenché de manière miraculeuse. Et euh, bien sûr, pour Spallanzani, c'est encore compliqué de comprendre quelle est la contribution exacte du mal, mais il semble ici qu'on puisse s'en passer à travers ses premières expériences de fécondation artificielle. Et immédiatement, son correspondant genevois, euh, euh, Charles Bonnet, lui a écrit pour lui dire qu'il vient de découvrir quelque chose d'absolument fondamental et extraordinaire. Et ce qui est frappant, c'est que Bonnet se, passe, se pose immédiatement deux questions. La première, c'est. Comment est-ce qu'on va appliquer ça à l'espèce humaine Parce qu'il imagine évidemment que tout de suite on va pouvoir produire des sociétés d'Amazon dans lesquelles les mâles n'auraient qu'une fonction tout à fait secondaire et marginale et dont on n'aurait besoin que le temps donc, de stimuler le, le développement des embryons humains. Première application donc des sociétés sans mâles. Et puis deuxième application qui qu'envisage Bonnet c'est. Eh bien, si on peut faire des fécondations euh, artificielles, eh bien, à ce moment-là, euh, il faut absolument tout de suite travailler sur euh, des croisements d'espèces. On va voir si, par exemple, euh, la semence de la grenouille déclenche le développement sur les œufs des poissons et si euh, des mulets dits euh, bonnets, c'est-à-dire des formes hybrides nouvelles, surgissent. Et puis, il va falloir faire le, le croisement euh, dans l'autre sens. Et donc, ce qui est très frappant, c'est que pour ces connaissances de euh, reproductiques, la science de comment est-ce qu'on peut faire des enfants, des petits, etc., eh bien, euh, à peine on commence à sortir de l'ombre, et on, à la fin du XVIIIe siècle, on est encore profondément dans l'ignorance de comment ça s'opère, eh bien, à peine on commence à, à entreapercevoir quelques mécanismes que déjà on imagine comment on va pouvoir les appliquer pour transformer l'espèce humaine et les appliquer pour transformer le vivant en général. Donc il y a cette espèce de, de, de contraste absolument stupéfiant entre euh, notre ignorance profonde et euh, nos spéculations tout à fait ensauvagées dès lors qu'il s'agit de la reproduction humaine. L'espèce humaine appartient à un groupe d'espèces qu'on appelle à reproduction sexuée. Et parmi les espèces à reproduction sexuée, on dit que c'est une espèce gonochorique par opposition à hermaphrodite chez les hermaphrodites, les individus sont dotés des deux types de glandes produisant les deux types de gamètes. mais chez les gonochoriques, la, la charge de produire tel type de gamètes est distribuée dans des individus euh, différents. donc, il y a les individus producteurs de gamètes mâles et les individus producteurs de gamètes femelles, et ce ne sont pas les mêmes. et nous nous sommes dans ce cas-là. donc, on voit déjà ici que euh, les gamètes, euh, ce sont d'abord eux qui sont mâles et femelles, puis les glandes qui les produisent, les gonades. Il y a des gonades mâles et des gonades femelles, et puis ensuite il y a les individus qui peuvent produire ces gamètes et qu'on peut appeler dans les espèces gonochoriques les individus mâles et les individus femelles. Ça, c'est le premier point euh, sur euh, ce binarisme euh, qu'on constate dans la manière dont les gamètes sont produits euh, dans notre espèce. Ensuite, comment est-ce que nous les percevons ces gamètes Et bien ce qui est très frappant, c'est que euh, notre regard sur les gamètes est véritablement habités par une forme d'anthropomorphisme et peut-être même d'animisme, c'est-à-dire nous leur prêtons une personnalité aux gamètes. Nous ne voyons pas simplement des cellules reproductives, euh, nous euh, les imaginons comme des êtres humains en miniature, nous projetons sur eux quantité de valeurs et de rêves absolument euh, fous. Par exemple, euh, tout le monde sait que euh, euh, les... Euh, gamètes ont été longtemps décrits dans les manuels de médecine comme euh, un peu le conte de la belle au bois dormant on avait d'un côté l'ovule comme belle endormie attendant patiemment qu'un proche chevalier spermatozoïde vienne l'éveiller euh, d'un coup de, de, de lance ou d'un baiser fougueux euh, après avoir traversé quantité d'épreuves terribles euh, comme la traversée de l'appareil euh, génital féminin, voyez. Donc, il y a eu ce mythe là euh, qui euh, persiste encore dans tout notre imaginaire de la fécondation. Quand on dit qu'on va planter la petite graine, par exemple, on suggère que l'ovule ne fait rien, attend patiemment, et que c'est en quelque sorte au spermatozoïde de tout faire. Donc, nous avons cet imaginaire du spermatozoïde et de l'ovule qui euh, finalement en fait non seulement des analogues de l'homme et de la femme, mais on peut dire aussi de Mars, le dieu de la guerre, et de Vénus, la déesse de la beauté. Donc notre regard sur les gamètes, même s'il est aujourd'hui éclairé par la connaissance scientifique, il résonne puissamment avec tout un imaginaire mythologique et animiste. Alors, est-ce que nos gamètes forment pour nous une destinée c'est difficile à savoir. On a l'impression qu'effectivement, il y a énormément de choses dans ces gamètes. Peut-être vous vous souvenez que euh, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, Elisabeth Badinter avait écrit un livre qui s'appelait XY hein, en parlant, de, en utilisant la formule chromosomique pour, pour désigner ce que c'était que être un homme sur la virilité aujourd'hui. Donc, il y a cette idée que euh, les gamètes, finalement, euh, sont, jouent un rôle, les gamètes à partir desquelles nous sommes formés, hein, jouent un rôle déterminant dans les individus que nous devenons. Et euh, on a souvent fait argument de la division du travail reproductif, le fait que dans la reproduction humaine, euh, les femmes et les hommes ne fassent pas la même chose, n'apportent pas la même contribution. On a souvent fait argument donc, de cette différence dans l'investissement reproductif, on va dire, pour euh, en déduire une certaine conception de la société. On a dit que euh, finalement les parlements avaient beau faire et voter des lois pour euh, l'égalité des femmes et des hommes. Finalement, euh, c'était condamné à être un vœu pieux parce que, en réalité, l'inégalité, elle était inscrite dans le travail même de la reproduction. On a recherché cette inégalité partout dans des dans la psychologie euh, enfantine. Je pense à un article d'Erickson en, en 1964 qui euh, montrait que la manière dont les enfants construisaient des scènes de théâtre, des jeux, etc., reproduisait en fait les fonctions reproductives qu'ils seraient appelés à jouer en tant qu'adultes. Donc nous avons une sorte de, de fascination pour euh, la manière dont euh, notre rôle reproducteur, notre rôle potentiel dans la reproduction, peut euh, structurer l'ensemble de la société et euh, commander en quelque sorte l'ensemble des comportements de chaque individu, comme si effectivement, euh, du fait de l'évolution, eh nous étions euh, euh, intégralement programmés pour avoir des comportements à finalité reproductive, jusque dans les jeux innocents des enfants. Alors évidemment, il y a quelque chose de tout à fait séduisant dans cette affaire, puisqu'on imagine que les gamètes, effectivement, c'est un peu non seulement la raison pour laquelle nous sommes ici, mais aussi la raison d'être de notre présence sur Terre, c'est de produire à nouveau des gamètes et de nouveaux descendants. Mais en fait, il y a quelque chose de tout à fait saisissant et exagéré dans cette fascination pour nos gamètes et la manière dont nous les projetons, je pense de manière abusive, euh, sur euh, la division du travail dans la société et euh, la compréhension que nous avons des rôles respectifs des femmes et des hommes euh, dans les sociétés humaines.